Good morning, allez, Idan et Tusra aujourd'hui, le Lunishmat Amram Yona ben Chana Pegi bat Esther, Nissim ben Aouda et aussi l'Ophatrout bat Klotin Traina et Naftali ben Silka et Abetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet de Yot, Perekret, Mishnah Alef, la dernière Perek du chapitre de la Maserhet. Heid Rabbi Yehoshua ben Betera, Aldam Nevelot Shibutaor. Heid Rabbi Shimon ben Betera, Al Efer Hatat Shenagatamein Bibinsato. שתימא את כולו. הוסיף רבי עקיבא על הסולת ועל הקטורת ועל לבונה ועל גחלים שנהג הדבול יום במקצתן שפסל את כולם. דו סוג'י דון למשנה. תודה באור, לפרמייר פרטי, העיד רבי יהושע בן בטרה. רבי יהושע בן בטרה, התימוניה. על דם נבלות שהוא טהור, ליטרלמן, דבור. שור לסון דן קדב, דן קדב דנימל פור, דן ואש, פריזמפל, ודן מוטון. הלוא אלא תימוניה כאילו סון כבקולי דוסת ואש, סון מוטון. Shehutaor, qu'il est pur. De quoi on parle exactement? Tout d'abord, il y a une impureté spéciale véhiculée par un animal qui a été égorgé, et qui n'a pas été égorgé. Un animal qui était censé être pur, mais qui a été égorgé, donc une vache, un mouton, une chèvre, qui est morte naturellement, ou abattue, peu importe, mais sans shrita, alors elle véhicule une impureté. C'est ce qu'on appelle la Tumat Nevela. La question de notre Mishnah est de savoir maintenant, est-ce que le sang qui va couler d'elle est considéré comme sa chair ou non? Alors, les gros assidus de la Mishnah de Maseret Yot se souviennent que au début de Perek He, dans la première Mishnah de Perek He, où on apprenait là-bas toutes les marlokot entre Bet Shammai et Bet Hillel, que Bet Shammai était plus Mekel que Bet Hillel, la première discussion c'était justement le Dam Nevelot, que Bet Shammai disait que c'était pur, et Bet Hillel disait que c'était impur. Cette Mishnah pose problème avec notre Mishnah. Suite à ça, le Barthénoir refait de l'ordre. On explique vite fait, très rapidement. Là-bas, on parlait réellement. Est-ce que le sang qui va couler du cadavre, il est pur ou non? Il y avait Beth Shammai qui disait c'est pur, parce que la Torah l'a rendu impur. La chair et pas le sang. Le sang, c'est pas la chair. Tandis que Beth Hillel considérait que, oui, le sang était lui aussi impur. D'accord? Ça, c'était pour ce qu'on avait vu dans Perekhe, au début de Perekhe. On arrive à Perekhe, maintenant, on a un petit problème. C'est qu'on découvre soudainement que ici on a une Mishnah, un témoignage qui nous dit que le Dam Nevelot il est pur. Ça signifie que la Halakha elle est établie comme Beth Shammai et ça c'est pas possible. La Halakha elle est établie comme Beth Hillel. De ce fait, le Barthénois avait expliqué qu'en réalité on parle de presque autre chose. En réalité, il y a de manière générale deux types de volumes pour la Torah qu'on rencontre presque tout le temps. Pour tous les solides, on les calcule par un kazaït, le volume d'une olive, 27 cm3, une petite boîte d'allumettes, et les volumes des liquides sont en général mesurés par un révi-hit, qui font 86 centilitres. Millilitres, plutôt. Centilitres, je ne sais plus, centilitres, bien sûr. D'accord ? C'est clair ? Je reprends, millilitres, 86 millilitres, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est sûr. Je reprends encore une fois. Il y a les volumes... Ouais, celui qui veut manger, boire, pour tous les shiurim, manger quelque chose d'interdit, accomplir sa mitzvah en mangeant, manger sous la souka, manger à Yom Kippour, est-ce qu'il transgresse l'interdit ou non? Yom Kippour c'est différent. De manger sous la souka, est-ce qu'il doit manger un kazaït? Ça c'est pour les aliments solides. Pour les liquides, 86 ml. Alors maintenant, le Barthénoir nous explique que la Mishnah qui a l'air de permettre le sang du cadavre de la vache, en réalité, qui dit qu'il est pur, en réalité, il n'est pas pur ce sang. Il est impur, sauf que s'il a un volume de 1 kazaït, c'est impur. C'est-à-dire, on aurait pu croire que le volume pour rendre impur du sang, ce sera le même volume que la chair. Autant que la chair, c'est 27 cm3, 1 kazaït. Alors, j'aurais pu croire que le sang aussi, son volume sera aussi 1 kazaït, 27 samak, cm3. Et on a expliqué qu'en réalité, alors ils sont devenus terabio, job, etc. Il a témoigné que non. Le sang rendra impur que s'il a un révite, mais il rendra quand même impur puisque la halakha est établie comme Beth Hillel sur le Perek Heh. D'accord? Tout ça c'est expliqué dans Barthénoir. On fait vite fait la première phrase du Barthénoir, comme ça vous voyez que ce qu'on a dit, c'est écrit. Aïd Rabbi Yehoshua ben Aldam Nevelot, Shehutaor. Rabbi Yehoshua, il a témoigné sur le sang du cadavre qu'il est pur, c'est-à-dire Shehutaor, mais il est tamé kenevela bekazait. Il est pur pour ne pas impurifier comme la nevela à partir d'un kazait. Aval metame birvit, par contre il rendra quand même impur s'il a un volume de 1 revit. Ok? Deuxième sujet de la Mishnah. Eid Rabbi Shimon ben Betera, apparemment c'est son frère. Il y avait Rabbi Yehoshua ben Betera et Rabbi Shimon ben Betera.
Alors, Rabbi Shimon ben Betari, il a témoigné. On va traduire la Mishnah jusqu'au bout, on explique vaguement, et puis après, on rentre dans les petits détails de la petite nuance qu'il y a entre Rabbi Shimon ben Betari et Rabbi Akiva. Lui, il a dit, Rabbi Shimon ben Betari, al efer khatat, sur les cendres de la vache rousse, la parat khatat. Shenaga tame be mixato, qu'il y a eu une personne impure qui a touché mixato, il a touché une extrémité, shetime et kolo, qu'elle a tout rendu impur. Aussi, Rabbi Akiva, il a lui aussi témoigné, il a rajouté sur lui, donc il parle de la même chose, mais avec plus de chidouche encore, à la solette, sur la semoule, vers la ktorette, sur l'encens, vers l'évona, c'est une épice qu'on mettait avec le lechem apanim qui s'appelait la levona, vers gechalim, et aussi sur les cendres, sur les braises, chez Naga Tvulium Bemixatan, que si un Tvulium, c'est une personne qui a une impureté très légère, c'est une personne qui s'est trempée dans la journée. On va expliquer après plus précisément pourquoi, quel est son statut exactement. Mais c'est une personne, c'est l'impureté la plus légère, c'est le Tvulium. C'est lui qui s'est trempé dans la journée, mais qui doit attendre le coucher du soleil pour devenir pur, pour finir sa pureté en fait. Alors, si un Tvulium a touché ces choses-là à leur extrémité, chez Pasal et Kulam, qu'il a tout rendu impur. On explique. C'est pas compliqué. De manière générale, si je suis impur, je touche une pomme, la pomme est devenue impure. Logique. Même si j'ai touché une petite extrémité avec le petit ongle, je suis, moi, un impur qui a touché un aliment pur. Tout l'aliment pur est devenu impur et on doit le jeter, le détruire entièrement si toutefois c'était de la tromba, par exemple. D'accord ? Ça ne suffira pas de couper le petit bout que j'ai touché. Tout est devenu impur. Par contre, s'il y a un tas de pommes qui est posé, où elles sont posées dans une assiette. Je viens et j'en touche une seule. Alors, elles, je les ai rendues impures. Mais les autres, je ne les ai pas rendues impures parce que les autres, je ne les ai pas touchées. Et la pomme, elle ne peut pas, elle, pour certaines raisons, elle ne peut pas rendre impure d'autres pommes. Sauf sous certaines conditions. On va s'en rentrer dans les détails. D'accord ? La pomme elle-même ne communique pas son impureté. La seule question est de savoir est-ce que moi, j'ai touché toutes les pommes ou j'ai touché une seule pomme ? Réponse : ce que j'ai touché toute l'entité. Principe simple. Maintenant, on passe la vitesse maintenant. Si j'ai touché du sésame, alors là, c'est simple, le sésame. Si j'ai mis mon doigt sur un tas de sésame, là où j'ai mis le doigt, je l'ai rendu impur, on le retire, et tout le reste, il reste pur, puisque je n'ai pas touché les autres grains. Idem aussi, si j'ai touché de la farine. La farine aussi, c'est plein de petits, tout petits grains de blé moulu. Alors, si je touche une extrémité, eh ben on va enlever la partie que j'ai touchée, et tout le reste, il est pur, parce qu'il y a plusieurs entités. Ok ? Eh ben, il faut savoir que dans les kochim, dans tout ce qui touche aux choses qui étaient consommées au Beth Amikdash, en rapport avec le Beth Amikdash, Chachamim ont fait une xéra particulière, un décret spécial, que celui qui touche une extrémité, il rend tout impur. On va préciser ensuite plus dans les détails. Mais c'est ce qu'on a vu ici dans le... Par exemple, on fait la première phrase de Rabbi Shimon ben Betari. Pour le moment, c'est le cas le plus simple. Sur le Efer Khatat, les cendres de la vache rousse. Ouais. Une fois qu'on a brûlé la vache rousse, on récupère les cendres, on les met dans un ustensile. Quelqu'un est venu et a touché ses cendres. Chez Naga Tame Bemixato, qu'une personne impure a touché son extrémité. Time, chez Time et Kolo, il a rendu tout entièrement impur. Pour quelle raison ? Chachamim ont fait une xéra, un décret spécial. Malgré tout, ils ont limité ce décret au cas où toute la cendre se trouve dans un seul ustensile. On considère que, un peu comme la notion qu'on avait déjà vue dans le Kli Kheres, l'ustensile qui est en argile, on considère que tout ce qu'il y a dedans, ça fait une seule entité. Le fait que ce se retrouve dans un seul ustensile, enfermé dans un seul ustensile, alors on considère que tout est considéré comme une seule entité. Soit, si les cendres sont posées par terre, par exemple, sur une table, je pense que ce sera la même chose, ça dépend, d'accord ? Donc je touche une extrémité, et ben là, je n'ai rendu impur que ce que j'ai touché. Par contre, si c'est dans un ustensile, alors l'ustensile va faire que tout ce qu'il y a dedans va devenir impur. Pour le moment, c'est clair, tout va très bien. Rabbi Akiva vient et rajoute encore plusieurs éléments qui ont le même principe. La semoule, l'encens, qui sont aussi des poudres, ou encore la levona, qui est aussi une poudre, ou encore même les gechalim, toutes les cendres qu'on pourrait ramasser. Eh bien, Chachamim ont aussi dit que celui qui a touché, il rend tout impur. Donc en fait, on a pour le moment que Rabbi Shimon ben Betari, il a parlé juste de la cendre de la vache rousse, et Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, ben, il en va de même pour la solette, la semoule, la ktorette, la levona, et les sangs et les braises qu'on a pu redescendre comme à Yom Kippour. Le Kohen Gadol, il ramassait une pelle de braises, il a redescendu. S'il y a quelqu'un qui va toucher là-bas une braise, il a tout rendu, toutes les braises, il les a rendues impures. Ça, c'est le principe de manière générale. La difficulté maintenant est de comprendre précisément qu'est-ce que Rabbi Akiva est venu ajouter sur
Rabbi Shimon ben Metera. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a utilisé d'autres termes, mais le principe c'est exactement le même. Il n'y a pas de raison de dire qu'il y a ici, en cela, une discussion. D'ailleurs, si j'ai parlé d'une vache, eh ben, vous êtes assez intelligent pour comprendre qu'il en va de même si c'était un taureau. Donc si j'ai parlé d'un principe sur une poudre kadosh, c'est-à-dire toutes les poudres kadosh, alors qu'est-ce que toi, Rabbi Shimon ben Betera, tu me parles d'une cendre. Et lui, il vient, il te dit, tu sais, même la solette, la semoule, et la ktorette, l'encens. C'est évident tout ça, c'est bon, on a compris, tout ce qui est en poudre. Peut-être qu'il en est même oublié, moi si je vais venir la rajouter. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors c'est sur ça que le Bartenan, il propose deux explications. Une à partir du Rambam, et une, je sais pas, de lui-même. Le principe d'abord, si vous faites attention, il y a deux différences. Le principe, il est simple. Première différence d'abord, dans la première partie de Rabbi Shimon ben Betera, il avait juste dit qu'il y avait eu un tamé chez Nagabe Miksato, une personne impure. Tandis que Rabbi Akiva parlait d'un tvulium. Le tvulium, c'est comme ce qu'on avait dit, dans certaines impuretés, lorsque j'ai fini l'acte qui me rend pur, je suis, dans la plupart des impuretés, j'ai fini de me purifier, je suis pur. Et bien dans plusieurs impuretés, c'est pas comme ça. J'ai fait l'action qui va me rendre pur, mais malgré tout, je garde un statut entre les deux chaises, comme on dit en hébreu, banakisaot. D'accord? Ou je suis plus vraiment impur, mais je suis pas encore pur vraiment. C'est ce qu'on appelle un tvul yom. Quelqu'un qui s'est trempé dans la journée. Il attend que le soleil se couche pour devenir pur. Cette personne-là, elle a un statut très spécial. Il est capable, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, par exemple. Pour amener ses korbanot, il doit attendre forcément le coucher de la nuit. Un Kohen n'aura pas le droit de manger la Trouma, si jamais il s'est trempé parce qu'il était Baal Kéri, par exemple. Il devra attendre la tombée de la nuit. Il s'est trempé le matin, il attend la tombée de la nuit, et seulement après, il pourra manger la Trouma. Alors, le Dvolium, il a un statut très spécial. Rabbi Shimon ben Betera, comme ce qu'on a dit, toute l'impureté ici de tout ce qui est poudreux, c'est qu'un décret des Rabbanan. Rabbanan, ils ont donné un peu plus de barrières sur ce qui est Kadosh. De ce fait, Rabbi Shimon ben Betera dit que uniquement la personne qui est réellement impure. Tandis que le Dvolium, il n'y a pas lieu de dire qu'il a tout rendu impur. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication maintenant, c'est de faire une différence. C'est qu'en fait, quand on parle du Efer Khatat, on parle que ces cendres-là, elles se retrouvent dans un ustensile qui ont des bords. Tandis que Rabbi Akiva, il a parlé de plein de cas où, en fait, on parle que ça se retrouve même dans un ustensile qui n'a pas de bord. Qui n'a pas de bordure, de rebord, qui est plat. Un plateau très plat. Une petite planche, par exemple, comme c'était le cas, ou encore de la pelle avec laquelle on ramassait les braises du Beth Amikdash, du Misbeach pour pouvoir les amener à l'intérieur sur le Misbeach à Ktoret. Alors, il n'y avait que trois côtés, trois bords, tandis que devant le quatrième côté, il était ouvert. Ça s'appelle que ça n'a pas de bord. Eh bien, puisque tout le chidouche de la Mishnah, il nous enseigne que ce qui se retrouve dans un même ustensile est considéré comme une entité, c'est en ça qu'il y a une discussion. Rabbi Shimon ben Betera pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait un rebord en tout qui entoure pour faire que c'est considéré comme une seule entité ce qui se retrouve à l'intérieur des parois. Tandis que Rabbi Akiva vient et me dit non, dès que ça se retrouve sur un même ustensile, tout est considéré comme une seule entité, toutes les poudres qui seront kadosh seront considérées comme une seule entité, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov, c'est là.